l'onoporde de tauride ou onopordon de tauride, onopordum tauricum. L'onopordon de tauride est une espèce de plante dicotylédone de la famille des Astéracées. Il s'agit d'un très gros chardon qui peut mesurer plus de 2 mètres de haut. Certains auteurs iront jusqu'à 3 mètres. Ce que je n'ai pas personnellement vérifié, ces exemplaires dépassent les 1,90 m tout de même. Cette plante est originaire d'Asie mineure et d'Europe de l'Est, où elle a été cultivée comme plante ornementale. Mais il faut prendre beaucoup de précautions car il se répand facilement et peut vite devenir très invasif, voire nuisible dans certains pays. Ses feuilles sont non blanchâtres. Elles sont bien vertes. Contrairement à d'autres espèces d'onopordons qui sont comme tachées de blanc, dont les feuilles sont comme tachées de blanc. Elles sont également glabrescentes, lancéolées, sinuées et dentées, fortement épineuses et longuement décurrentes. Le diamètre des capitules sous les fleurs peut atteindre jusqu'à 15 cm de diamètre. Donc une fleur monstrueuse. La floraison a lieu de mai à juillet et les fleurs sont de couleur purpurine. En Europe, cet onopordon est localisé en Espagne, en Grèce, en Serbie, Bulgarie, Turquie, Russie et Arménie. La France est peu représentée. Avec les départements des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault notamment, où il est plutôt bien implanté, bien plus rare ailleurs. Voilà les amis pour ce magnifique chardon. Je vous souhaite de belles découvertes lors de vos balades et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.